Bienvenue sur ma chaîne dédiée à LibreOffice et à GIMP. Aujourd'hui, ce sera LibreOffice avec le module Calque. L'idée aujourd'hui, ce sera de vous montrer en fait comment on fait pour, par exemple, séparer la date, mettre juste la date ici et les heures ici. Donc là, imaginons que j'ai une colonne date ici et une colonne heure. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'ensemble des données que je souhaite séparer. Je vais dans données, le menu données, je descends à texte en colonne. Et là, il s'agira de déterminer le type de séparateur. Donc là, dans ce cas précis, nous avons le choix entre espace, c'est déjà coché. Là, on a la situation telle qu'on la vit, c'est-à-dire les données dans la même colonne. On coche et on a l'heure qui va se placer tranquillement dans l'autre colonne. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est le séparateur largeur fixe. Là, il s'agit de déplacer le petit point rouge à l'endroit où on souhaite séparer. Ça ne marche évidemment que si le format de vos données sont uniformes. Là, je fais OK et on a la même solution. Voilà. Vous me dites si vous avez apprécié cette astuce et dans les commentaires, et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si ça vous a intéressé. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, et sinon pour la prochaine fois, je vous dis à bientôt.